Salut à tous. Salut. Si vous êtes là, c'est pour regarder la machine qu'Anso va nous présenter. C'est un Siemens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter la EQ9 S900. Et c'est une machine idéale pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec une machine avec deux bacs à grains indépendants. Donc le gros avantage de la S900 par rapport à la S700 qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Parce qu'elle me disait quelque chose, la machine. Ouais, c'est la même machine, mais en fait, cette version S900 dispose de la connectivité que la S700 n'a pas. C'est pour ça que tu as sorti la tablette. Et donc j'ai sorti la tablette. D'ailleurs, je vais lancer un petit café, si ça directement. Le dit. Directement. Bon, on y va. Hop, on est quand même là pour ça. C'est parti. Je n'ai donc rien fait. La machine commence à broyer toute seule. Pendant qu'on lance les cafés, si tu veux, je te parle un petit peu de la machine. Ouais. Donc cette machine, déjà, c'est une très belle machine. Elle est full inox, ce qui est rarissime sur le marché des machines auto. Ouais, même quand on dit full inox, c'est même on ne va pas tourner la machine, mais même on a de l'inox sur le dos, sur le dessus. C'est vraiment contour total inox et c'est assez rare. Ouais, tout à fait. Donc déjà, full inox et un super design qui est quand même très joli. On reste sur une machine relativement compacte, on n'est pas sur du très petit, mais par rapport au contenant, quand même, on a un petit gabarit. Donc, deux bacs à grains, comme on a dit tout à l'heure. Alors, le gros avantage, c'est que ce sont deux bacs à grains avec deux broyeurs indépendants. D'accord. Donc, on est vraiment sur deux cafés différents. Jamais les moutures ne se mélangeront. Alors, ça a broyé tout à l'heure, c'est en train de rebroyer là maintenant. Effectivement, parce qu'on a fait deux boissons. Les broyeurs sont en céramique, six positions différentes. D'accord. Par broyeur. Et on a combien de place par... on peut ouvrir enfin... Oui, bien sûr. Donc en fait, là, je ne sais pas si tu vois, j'ai mis deux sortes de grains très différents. Il y a 235 grammes de café par bac. Mais ça, c'est impressionnant. Parce qu'on a vu d'autres machines avec deux broyeurs, mais c'était... Tu avais à peu près 200 total pour les deux ensemble. Donc ça, c'est un très bon point. Mais surtout, le très bon point, c'est que c'est deux broyeurs indépendants. Exactement. Comme ça, votre café... Enfin, un café ne va pas être pollué par l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire, comme les deux sont indépendants, vous pouvez faire un serrage des meules spécifiques pour un café par rapport à un autre. Et exactement. C'est ça, c'est hyper intéressant. Tiens, on a le résultat qui est déjà arrivé. On tasse, on est quand même là pour goûter, c'est important. Et ouais. On a un super aspect visuel. Exactement. Alors, je finis juste, donc six positions de broyage différentes, plus une trappe à moulu. Donc, on a trois choix finalement de café si on a envie avec la même machine. Alors, pendant qu'il broyait aussi, il était super silencieux. Oui. Donc, c'est un très bon point. Le côté silencieux, en fait, c'est surtout la qualité des matériaux utilisés. Oui, et la céramique qui aussi absorbe un peu. Alors, on a un super résultat en tasse. Pas trop chaude. Peut-être cette pointe d'acidité que j'ai vue par le grain que tu as choisi, c'en est qui allait te donner. Alors, sur le dessus de la machine, surtout, on va retrouver le moyen de changer, de passer d'un bac à l'autre. Ah d'accord, donc ça c'est les petits boutons là avec exactement, le exactement, c'est un changement électronique. Mm-hmm. Voilà, ici on a aussi un chauffe-tasse, j'aurais pu mettre mes tasses. Ouais, c'est un chauffe-tasse actif. Est-ce qu'on peut parler des autres contenants pendant qu'on est ici? Alors ici on va avoir le bac à eau. De ton côté. Qui est de mon côté. Alors ce qui est sympa c'est, regarde, hop, on le bascule et ensuite on le retire. Donc et on a... c'est un couverture inox. Voilà. Donc, c'est une couverture inox, mais on a une petite fenêtre dessus pour pouvoir voir le niveau d'eau. C'est quand même important. Oui, tout à fait. Donc là, combien de total ? Alors là, on est sur une contenance de 2,3 litres. C'est énorme. Tu as mis une cartouche filtrante ? J'ai mis une cartouche filtrante parce que je vous rappelle que sur les machines automatiques, il est essentiel d'entretenir le mécanisme interne. Et la cartouche va permettre de retirer une grosse partie du calcaire qui se trouve dans l'eau et qui va endommager les mécanismes internes. Ouais. Et aussi, moi, j'ai vu le logo sur le bac à eau que peut-être vous n'avez pas vu. C'est un filtre Brita qui est dedans. Fait. Et alors, ça, c'est quand même une des tops pour tout ce qui est filtration eau. Donc, votre café aura un meilleur goût à la fin aussi. Ça va enlever tout ce qui est chlore et tout ce qui sont les saletés dans l'eau pour vraiment avoir un café au top. Donc, si vous pouvez, mettez le cartouche filtrante. C'est très important pour votre qualité en tasse. Ouais. Donc, le bac à eau. De l'autre côté, on va retrouver la carafe à lait. Tu peux la retirer si tu veux. Donc là, on est à peu près sur une contenance de 700 millilitres. On n'est pas sur un litre complet. D'accord. On est un petit peu en dessous. C'est un design un peu particulier, mais ça épouse la forme de la machine. Et voilà, et ça, c'est quand même rarissime. Quand on passe sur l'avant de la machine, on va retrouver le traditionnel bac à marc. Le bac à marc ici n'a une contenance que de 10 galettes. Alors, c'est peu,
par rapport aux autres contenants. Exactement. C'est pas très grave parce qu'au final, il faut vider le bac à main assez souvent parce que sinon, il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau des coloris. C'est ça. Les éléments sont clipsés les uns avec les autres. Après, c'est plus profond que ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres marques. Donc, ça permet quand même de récupérer pas mal de galettes. Ok. Voilà. Donc, on est toujours sur de l'inox ici sur le plateau repostage. Inox brossé, super facile à nettoyer. Va pas prendre les marques des doigts. C'est vraiment top. Non, c'est vraiment très, très haut de gamme. Ici, on a une jolie buse qui va nous permettre de faire aussi bien des lattés que des expressos. Et ensuite, ici, on va retrouver le panneau de contrôle de la machine. Alors que moi, j'adore personnellement. C'est un panneau, un écran TFT couleur haute définition avec un rotary switch sur le milieu qui va nous permettre en fait de faire défiler les boissons. C'est quand même très sympa. Alors, tu as combien de boissons en accès direct? Alors en fait, il y a 12 boissons possibles sur cette machine. 12 boissons, dont des boissons assez rares, c'est-à-dire qu'on peut faire de la mousse de lait seul, par exemple, du chocolat chaud, du lait chaud tout seul. Et alors, le gros avantage de cette machine, c'est qu'on va pouvoir avoir un mode cafetière, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous enchaîner 6 tasses consécutives et que vous allez pouvoir avoir un petit pichet en dessous pour aller servir à vos invités. Ça, c'est un très, très bon point. Exactement. Et puis, surtout, c'est une One Touch qui fait des boissons lattées toutes seules, notamment deux boissons latte en même temps. C'est pour ça que tu as sorti les deux verres. Exactement. On peut. Donc, si tu veux, on va tester ça. Ouais, allez, je te laisse remonter totalement. Voilà, je te laisse, hop. Tiens, parce que moi, je suis un peu derrière, je ne vois pas très bien. Je vais bien. Le positionner parce que sinon, toi, tu allais avoir tout, moi, j'allais avoir rien. Ça ne me dérange pas. Non. Donc, en fait, je ne vous en ai pas parlé, mais cette machine propose aussi des profils utilisateurs différents. D'accord. Donc, on va passer par les profils pour vous montrer les boissons lactées. Il y en a combien de profils possibles? Alors, il y a 10 profils différents possibles, c'est-à-dire que toutes les boissons sont paramétrables sur 10 profils différents. Donc, une centaine de boissons possibles au final avec cette machine. Une centaine de boissons paramétrables différemment. Alors, par exemple, hop, là, c'est mon profil. Ouais. Donc, par exemple, le latte macchiato, je vais le lancer. Alors, on a une touche de tasse ouais. et je n'ai plus qu'à le lancer. Alors, en termes de paramétrage, il y a énormément de choses possibles. Vous allez pouvoir régler déjà la longueur en tasse, tout bêtement. C'est quand même important. C'est le basique. C'est le basique. Exactement, ouais. Longueur en tasse. Intensité, c'est-à-dire la quantité de grains qui va être moulu à chaque tasse. Mm-hmm. La pré-infusion. Alors, il y a 5 positions. 5 positions. Ouais, ça, c'est un très bon point. Combiné avec les 6 positions de broyeur, vous pouvez quand même rentrer sur l'intensité et l'importance de la somme de café de la galette qui est importante pour vous. Ouais. On peut régler aussi la pré-infusion sur 5 positions différentes. Alors, petit rappel ce que c'est le pré-infusion. À chaque truc, je vais faire ça. Petit truc sur le pré-infusion. Le pré-infusion, c'est quand une machine va envoyer un tout petit peu d'eau sur la galette de café moulu, va faire un petit temps de pause et ensuite faire le réel extraction. Et comme ça, ça va se permettre de sortir beaucoup plus d'arômes de votre café. Et c'est plus adapté à certains cafés que d'autres. Mais sur un mocha, par exemple, ça va sortir vraiment tout ce qui est les notes d'agrumes sur un mocha. Donc, très intéressant. Exactement. Ensuite, on va pouvoir paramétrer sur les boissons lactées dans quel ordre le lait va couler par rapport au café. Soit le café d'abord, soit le lait avant, selon les recettes. Ça, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, pendant que tu es en train de parler du lait, c'est en train de sortir le mousse de lait, mais c'est super silencieux. C'est hyper silencieux, c'est super lisse. Et puis, on a des petites LED en plus qui éclairent les boissons, donc c'est hyper joli. Pour passer au canal. Voilà. Ouais. Est-ce que j'ai parlé de la température? Non, tu n'as pas parlé de température. Évidemment, la température sur 6 positions différentes. 6 positions différentes. On peut faire de l'eau chaude aussi. Pour l'été, il y a 5 positions différentes de température pour l'été, donc aussi bien pour le thé vert, thé noir, etc. Ça est en train d'extraire le café, ça va sûrement broyer une deuxième fois tout à l'heure. Alors, tous ces paramétrages, on peut le faire sur l'écran. Alors, les paramétrages, on peut le faire donc sur l'écran en accès direct. Ensuite, il y a un mode un peu particulier sur cette machine. On a le choix entre un mode classique où on règle ses boissons en amont et ensuite on n'y touche plus. Ouais. Ou alors, on peut accéder à un mode barista. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir choisir ses réglages directement sur l'écran en fonction des profils. D'accord, donc au même temps que c'est en train de gérer le boisson. Exactement, tout à fait. Alors, la tablette, évidemment, peut faire beaucoup de choses. Le truc qui est sympa aussi, c'est qu'ils vont nous proposer d'autres recettes du monde entier. Donc, on va pouvoir d'autres retrouver... recettes qui ne sont pas dans la machine. Exactement, on a des recettes en plus.
comme par exemple le Cortado d'Espagne, ou le Galão du Portugal, ou des trucs des États-Unis, etc. Il y a pas mal de recettes en plus. C'est assez original. Avec une petite carte du monde où on peut choisir dessus, etc. Alors, c'est pas vraiment une carte du monde, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que l'application, elle n'est pas hyper sexy, hyper fun. On reste quand même sur un design très allemand, très carré. Bah, c'est très carré, poli, c'est propre. C'est propre. Donc, j'aurais aimé un peu plus de fun. Nos boissons sont en coulée. Tiens, je vais juste dessiner les niveaux pour la caméra. Voilà, on a quand même une jolie épaisseur de mousse. Une super épaisseur de mousse qui a l'air vraiment, vraiment lisse. Est-ce qu'on peut... Tiens. Essayer ça. Je vais monter un peu. On peut empiler. Ouais, je crois très peu. Quand c'est lisse, c'est impressionnant. En fait, on dirait de la chantilly. Mais on dirait de la chantilly. Ouais. La sucrosité, il sort super bien. Mais c'est le genre de... C'est un genre de lisse de lait qui pourrait permettre de faire un flat white. Donc c'est, ça, c'est super rare sur les machines. Donc, c'est... Est-ce que flat white, c'est une des options Oui, tout à fait. On va la retrouver aussi. Ils ont pensé à tout. Ouais. Donc, sur cette EQ9... EQ9S900. C'est ça. C'est des chiffres et des lettres. donc, sur ce EQ9S900, on a vraiment une finition luxe. Ce qui est premier point. Le double bac à grains avec les deux broyeurs, c'est vraiment ça, c'est le touche qui vous permet vraiment d'avoir deux cafés totalement différemment avec des paramétrages spécifiques sur chaque, sur le broyage. Et ça, c'est très important si vous avez un double bac. Donc ça, très très bon point. Un super bon point pour ceux qui consomment régulièrement du déca par exemple et du café. Oui. Ou qui ont envie de vraiment, qui ont quelqu'un à la maison qui préfère un pure origine Amérique du Sud et d'autres qui préfèrent un pure origine Afrique. De goûts totalement différents de café, c'est très intéressant. Partie réglage qui est vraiment, vraiment au top. Petit point positif et négatif à la fois avec la tablette. Beaucoup de paramétrages, beaucoup d'options, mais un design pas trop ludique. Un peu trop lisse, oui. Un peu trop lisse, mais c'est quand même très classe le fonctionnalité dessus. Mais vraiment, merci beaucoup Anso de m'avoir montré la machine. Vous, on va vous dire à une prochaine fois pour une autre machine. Et jusqu'à là, bon café. À bientôt.